Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien, aujourd'hui sur le trou pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là sur Black Ops 3 sur la map AVOC en MME. C'est du live, c'est pas du commentary et je sais pas pourquoi le fond ne se charge pas. Pourquoi? Aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'arme que j'ai eu, du coup la nouvelle arme qui est sortie du coup pour le nouveau DLC. Ah voilà, le fond s'est chargé. Le DLC qui est arrivé dernièrement, on va tester pas l'Argus, c'est le NX Shadowclaw. J'ai tué quelqu'un? Non, je déconne. Alors, c'est parti. Donc là, c'est la toute première fois que j'y joue. J'avais déjà fait un test en la ramassant par terre. Mais là, du coup, c'est la première fois que je vais jouer avec. Alors, je vais pas tenter d'y aller, franchement, tout de suite. Ah oui, c'est quand même... ça a l'air d'être quand même assez chaud, quand même, hein, d'accord? Comme arme. On va continuer. Bon, c'est vrai qu'au niveau des munes, ça a pas l'air trop... Ça a l'air assez limité, quoi. Mais bon, on va quand même tenter. Alors, vous voyez, il y a ça, quand même. Ça me plaît pas. Ouais, mais ça a l'air assez assez chaud à maîtriser, hein. Je sais pas, dites-moi dans l'espace commentaire si vous l'avez débloqué, vous, sur Black Ops 3. Ce que vous en pensez. Si vous arrivez à la maîtriser, donnez vos avis par rapport à cette arme-là. Alors, je suis assez déçu. Ouais, ça campe en plus. C'est génial. Personnellement, moi, c'est pas l'arme que j'aurais vraiment apprécié avoir. Comme je vous avais dit lors du pack opening... je vous avais dit que j'aurais aimé avoir le MX Garand ou le pied de biche. Ah voilà, enfin. Donc je pense qu'il faut vraiment être en corps à corps. Je pense pas qu'en longue distance, je pense pas que ça amène beaucoup de choses, mais je pense que pour les éliminations, faut vraiment être oula, d'accord. Facebook, tu te calmes s'il te plaît. Faut vraiment être doué, quoi. Je pense. Sniper en plus. Bon, là, je me fais du 1-5, mais bon. C'est la première fois que je teste ça. Ça a l'air assez chaud, quand même, pour faire 200 éliminations pour avoir l'arme en or. Sans compter les défis après. Ça a l'air assez chaud, quand même. On va tenter, quand même, de continuer cette partie, mais ça va être assez compliqué, je pense. Toujours le campeur ici? Non, il s'est barré, bien sûr. Faut toujours quand j'ai une facilité pour lui... Mais quoi? Mais c'est passé juste à côté. C'est une blague. This is a joke. Attendez. Voilà. C'était une blague. Ah merde. Voilà. Mais putain. Excusez-moi, je suis en train de lire autre chose en même temps. Mais il faut que je me concentre quand même. Allez, vas-y, pick my kill. Allez. Donc je n'ai jamais testé le d'autres armes. Drone allié en approche. Je crois que j'avais testé le pied de biche en... en privé. Vous savez, avec les mods et tout ça, mais je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. De test d'armes, je pense. Vous savez, sur les parties personnalisées, je crois qu'on... De mémoire, on peut... Et ça peut être sympa, une petite vidéo. De toute façon, je pense que je vais revenir un peu plus sur Black Ops 3 parce que, comme je vous ai dit, j'ai repris beaucoup de plaisir depuis la sortie du DLC. Et il faut vraiment pas que je me fasse comme avoir comme Advanced Warfare, que je sois après déçu du jeu. Après avoir dépensé des 1000 et des 100 dans le jeu. Ouais, niveau 2. Bon, ça va, ça. Bon, j'en profite là. J'en profite, ça me fait un headshot en plus. Allez, 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 allez. Ouais, allez, c'est bon, on a une petite série là. Ça va, en fin de compte. Bon, là, c'est glitch. Bon, là, ça va, j'avais plus de. Fallait que je recharge. Mais là, ça va, regardez, j'ai réussi à choper quand même un. À choper un drone. Rien qu'avec le NX. Là, ça va, regardez, je remonte un petit à petit. Mais ça va, là, je commence un peu à maîtriser. À le maîtriser. Ça a l'air assez chaud quand même. Voilà. Bon, là, je savais plus où est-ce qu'était l'autre. Là, il est en plus, c'était Spectre. Donc, on arrive bientôt à 4 mois du jeu. Là, je trouve que le mois de février est passé assez rapidement. Ok, je l'ai utilisé pour rien, mon point de choc, mais c'est pas grave.
Ok, bon bah c'est pas grave. Si vous pouvez arrêter de me spammer sur Facebook, ça m'arrangerait. Bon là mes petits amis, bon en plus à Vox ça me fait vraiment penser à Turbine, enfin l'extérieur surtout. Oh putain, je me sens pas bien d'un coup là. Parce que là, c'est la période des grippes et des gastro. Donc j'aimerais pas être malade. Je suis déjà déprimé, un peu déprimé. Ça serait con malade. Oh putain. Ah ça se calme, ça se calme. Ça se calme. Oui c'est bon, ça se calme. Non, là je vois qu'il y a du monde en face. Viens ici. Oui. Allez, t'es beau. C'était beau. Là j'ai bien aimé, là. J'ai bien apprécié. Donc là bah ça arrive par là. Ou par là. Ou ça spawn par là, non? Bah non, ils étaient trop, j'étais flashé, j'étais ralenti. C'était pas la peine de tenter. Pour moi, du 8-13 avec cette nouvelle arme, je pense que c'est pas une trop longue différence. Et je pense que ça le fait, ça peut le faire. Je pense que petit à petit, je pense qu'on peut monter à cette arme. Je vais essayer de monter à 10. Donc je crois que c'est le premier camouflage, c'est 10, je crois. Et petit à petit, en jouant, je pense que ça viendra et je pense que... Non. C'est bon, allez, je fais demi-tour, je vois que ça campe, c'est pas la peine. Mais quoi, t'es sérieux, j'étais sur toi. Attention. C'est vrai, j'étais dessus. Mais dites pas non. Il y en a plein maintenant qui vont me dire, bah non, t'étais pas dessus. Mais si, j'étais dessus. Ou alors, je ne joue plus à Black Ops 3. Hein. Faudrait savoir. Alors. Ça doit, ça tire là-bas, c'est qu'il y a ennemi alors. Et franchement, je me sens pas bien d'un coup là. La vidéo va pas tarder à se terminer, je pense. Ça fait combien de temps là? Ça fait 7 minutes, bon voilà. Ça va être juste une seule partie, hein. C'était juste une seule partie comme ça de présentation de Unix Shadowclaw. Et je pense que je ferai une vidéo prochainement en partie privée pour tester les autres armes. Que je pense pas que je les aurai. Oh, vous êtes pas bien toi avec ta canne. D'ailleurs, j'ai oublié de montrer la dernière fois lors du pack opening les... Les camouflages que j'ai eu avec la... Enfin, le camouflage prestige que j'ai eu avec la KN. Parce que je crois que c'est... Non, c'est pas la seule arme. J'ai eu aussi sur le Locus, je crois. Mais le prestige, je crois que c'était un nouveau camouflage. Et j'avais oublié de vous le montrer. Et je ne sais même pas déjà de quoi il... À quoi il ressemble. Parce que je l'ai jamais vu. Oh putain, je me sens vraiment pas bien d'un coup, là. Ça se trouve, je vais arrêter la vidéo avant. Non, ça va, là. Et je vous jure, là, c'est une condition pour jouer qui n'est pas du tout bonne. Parce que là, j'ai... D'un coup, là, je me sens pas bien. Approche. Allez, vous êtes où les ennemis? Là, je vous jure, j'essaie de me concentrer, c'est très compliqué. Franchement, c'est une vidéo... je pense que ça va être mis dans le titre. Arrivée d'une maladie en direct, en vidéo. Putain, mais c'est incroyable. Comment je me sens pas bien d'un coup, là? Merde. 9-18. Bon, je suis dernier à ma partie, mais c'est pas grave. Et l'autre, il a fait une kill de moins que moi, et... Et il est devant moi. Oh, il a de l'assistance. Ouais, il a des assistances. Oh non, j'arrête. C'est bon, le mec, il s'esclaffe comme ça pour... juste pour une kill. Bah, c'est vrai qu'elle était belle, celle-là. Elle était loin, pas prévisible du tout. Oh, putain. Bon, il reste plus que 5 kills, là, pour l'équipe. Peut-être qu'ils vont nous rattraper, peut-être pas. Peut-être qu'on va gagner, peut-être pas. Bon, là, j'ai tiré n'importe où, là. J'ai tiré... Oh, putain, il nous rattrape, c'est... Ah, égalité. Je sens que ça va être en train de camper dans la pièce, là-haut. Ou ça campe dans l'escalier. Ça campe, en tout cas. Ça, il rentre dans la pièce ou quoi? Il ose rentrer dans la pièce ou pas? Non. Merde. Il manque plus qu'une seule kill. Mais non, je voulais faire... Oh, ils ont gagné. Oh, merde, ils ont gagné. Oh, merde. Vous avez intérêt à vous bouger le cul. Bon, en tout cas, voilà. Ça veut rien dire. En tout cas, voilà, moi j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit j'aime sur Facebook et un petit tweet sur Twitter, ça fait aussi plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes déjà pas. Du coup, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Et je vous laisse parce que là, je me sens vraiment pas bien. Vous inquiétez pas, de toute façon, comme je vous ai dit, on revient en partie privée dans les jours à venir sur Black Ops 3 pour vous présenter les autres armes qui ont été du coup dans les nouvelles armes qui ont été du coup mises dans le marché noir lors du premier DLC de Black Ops 3. Je vous dis bonne journée ou bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao à tous.